Quand je sens ma paix menacée, vraiment, je dois la retrouver coûte que coûte. Peu importe ce que ça peut coûter, ma paix est trop précieuse. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors, j'ai commencé le vlog tellement tard parce que je suis réveillée, j'étais dans le rush. Je pensais que j'allais être en retard, mais finalement, j'étais pas en retard parce que regardez-vous, le bureau est tellement vide. Donc, c'est parti pour un nouveau vlog, une nouvelle saison des Poppy Daily Vlog, jour 1, saison 2. Et ça va être cool, hein, ça va être franchement cool. J'ai tellement à vous dire, il y a tellement de choses qui ont changé entre temps. Donc, ouais, vous allez voir mes collègues, ça fait longtemps que je ne les avais pas vus, je sais. J'ai changé de. Presque changé, tout changé dans ma vie en fait entre temps. Donc, je vais vous raconter ça dans les détails plus tard. Et voilà. Regardez qui est là. Bonjour. La star de mes vlogs, Babaka, le seul et l'unique. Moi qui pensais être seule pour pouvoir bien commencer à travailler, c'est pas gagné. Time and a place, you spend some time away. Now you need to forward and get me out of work, 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 work. S'il vous plaît, c'est quoi mon vlog? Waouh, oulala. Oh, si tu connais pas Esther, il faut demander. C'est vendredi. On est vendredi et comme je dis, tous les vendredis, vendredi, on dure pour au shampoing. D'ici quelques-uns, tout le monde va partir. Ren, ça va? Regardez la star. Didi, tu as manqué à mes abonnés. Dis quelque chose. De sorte que vous allez bien et que vous passez un... Bon, c'est bon. On est vendredi. Donc ça, c'est le... On est vendredi. Ah, c'est le week-end. Ah, c'est le week-end. Bon, plus de trépied pour moi. Abandonne. On va acheter l'eau. Donnez-moi mon ventilateur. Je veux savoir si tu as monté combien. S'il y avait un moteur dedans. La clé. Qu'est-ce qu'il y a, dynamo. Arrêtez de vous moquer de mon ventilateur, il ne vous a rien fait. Attends, je te présente. Je te présente. Alors, je vous présente le ventilateur de Serena. Ça, c'est le vent en arrière. comment on dit vent de voiture? Ah, mais tu dis clim. Clim avant, clim arrière. Ah, ça, c'est la clim de Serena. Là, si vous avez un problème de ventilateur, vous n'avez pas de courant chez vous, voici la solution. Hey. C'est bon, merci. Regardez ce truc, regardez ce truc là, c'est tellement moche. User, il s'appelle User. Weekend, c'est le week-end. Les vendredis, on ne dure pas au champ, je vous ai dit, donc go à la maison. Show my love for you. Bon, mon bureau n'est pas loin de la maison, donc je pense que je vais marcher pour jusqu'à là. J'ai jamais marché pour entrer chez moi comme ça, donc je vais voir si c'est pas loin. Si c'est loin là, je vais m'énerver parce que je n'aurais pu attendre le bus et tout, mais bon, le bus venait pas et tout. Mais bon, les amis. Je suis rentrée. Déjà, comment vous dire? Ma tête actuellement c'est Bagdad. Genre,
mes locks sont en train de prendre une tournure. Je ne sais pas si je vous ai dit ça. En tout cas, ceux qui me suivent sur Instagram savent que actuellement, je suis en train de me faire des locks. Enfin, j'ai fait des vanilles qui doivent devenir des locks. Et ouais, actuellement, c'est chaud. Franchement, je m'y prends mal, mais je pense que c'est en train de venir. Bref, c'est pas ça le sujet. Je suis rentrée donc, du taf et tout. Et j'ai appelé ma mère. Je ne me suis pas changée parce que j'ai la dalle. J'ai franchement la dalle. Là, je vais faire une petite bouffe là parce que le cadre est un peu nouveau. J'ai aménagé récemment. Donc, ça, je vais vous raconter demain parce que c'est vraiment très long. Et voilà en fait. Donc, ça, c'est un nouveau cadre. Mes derniers vlogs n'étaient pas dans ce cadre là. And yeah. Nouveau vlog pour une nouvelle vie ou nouvelle vie pour un nouveau vlog, I don't know. Mais en tout cas, voilà ça. Donc je vais faire à manger vite fait. Je vais me poser. Je vais manger. Mais je vais profiter pour parler un peu avec vous parce que vous, les amis, ma vie actuellement a pris un tournant bizarre. Et il y a plein de choses qui sont passées entre temps. Il y a plein de choses qui se sont améliorées dans ma vie. C'est vraiment la santé mentale. C'est la chose que je priorise le plus dans ma vie. Je n'ai jamais priorisé quelque chose comme la santé mentale. Genre, pour moi, actuellement, c'est la chose la plus précieuse. C'est-à-dire ma paix. Ma paix. Ma paix n'a pas de prix. Et quand je me sens dans un environnement. Quand je me sens vraiment, quand je sens ma paix menacée, vraiment je dois la retrouver coûte que coûte. Peu importe ce que ça peut coûter, ma paix est trop précieuse, je vous assure. Et je vous encourage vraiment à faire le vide. Faites le vide dans votre vie. Parce que moi j'ai compris une chose. Là où tu n'as pas la paix, ça veut dire que tu ne devais pas être là. Dieu ne va jamais te donner la paix quelque part où tu ne dois pas être. Partout où tu n'as pas la paix là, c'est que Dieu ne te veut pas là-bas. Que ce soit une relation, que ce soit un travail, que ce soit un pays, je ne sais pas quoi. Là où tu n'as pas la paix, ce n'est pas ta destinée. Period. Donc, faites le tri. Faites le tri chez vous, faites le tri dans vos relations. Faites le tri même dans vos familles. Hein. Dans les familles, je vous assure, c'est hyper important. Et apprenez à. Bref, faites le tri. Faites le tri. Sur ces belles paroles, je continue ma. Mais vraiment rien. Demain, on va faire les courses parce qu'il n'y a rien dans cette maison. Il n'y a vraiment rien. C'est-à-dire, même. Je pense que j'ai que des œufs. J'ai que des œufs et des frites. Mais demain, on va faire le marché. Donc là, je viens de manger, je viens de finir et tout. C'est le moment de fermer le vlog, de clôturer le vlog. On se dit à demain pour un nouveau vlog. D'ici là, portez-vous bien. Bisous.